Donc, j'invite déjà Camille à s'avancer avec Samuel. Déjà, Samuel, tu peux t'avancer aussi, parce que les deux sont en couple. On va pas vous placer tout de suite les deux ensemble là, dans le baptistère, ça va être un peu trop petit. Good. Camille, simplement te poser cette question, comme j'annonçais tantôt, c'est sur la base de ta confession de foi, de ce que toi tu crois qu'on va te baptiser. Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi, pour tes péchés? Absolument. Oui. Est-ce que tu lui as abandonné ta vie en lui demandant justement de te sauver? Oui, puis j'aimerais ça qu'aujourd'hui ça marque justement ma décision de le suivre. Good. Et puis c'est ce que tu veux témoigner à tout le monde justement, que tu t'engages à le suivre, oui. À lui obéir. Mais oui. Camille, c'est un énorme plaisir pour moi de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Samuel, oui. Toi et Camille, ça fait pas des années que vous êtes à l'été 180. Ça fait combien de temps à peu près? Non, ça fait environ 3-4 mois. 3-4 mois? Ouais. C'est vraiment un plaisir de vous avoir, Samuel et puis Camille. Déjà, Samuel est déjà très impliqué avec nous, à servir aux Lumières. Bref, tu as pris cette décision de te faire baptiser. Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour tes péchés? Totalement. Est-ce que tu crois que c'est pour toi personnellement, toi-même, que tu avais besoin de ce salut? Oui. Oui. Est-ce que tu veux témoigner à travers ton baptême ce soir que tu veux suivre Jésus, que tu t'engages à lui obéir? Je suis prêt totalement. Good. Ben Samuel, c'est un plaisir pour moi de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.